Good morning, allez, Iden et Tisro aujourd'hui, le Nishmat Avram Chaim Norbert Ben Fortuné Mazal, Yedida Batester, Chaya Batova, Rachamim Ben Rosa. Si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Mishnah qu'on a fait la 5e unité éternelle, nous étudions Maserhet Bechorot, Perek Zain, Mishnah Bet, Hakereach Pasoul. Eizeu Kereach, Kol She'en lo Shita Shal Sear, Makefet Meozen Leozen, Vim Yashlo, Areize Kacher. En lo Gevinim, Rabbi Losa Omer, Kol Shigvinav Shochvin, Rabbi Chanina ben Antignos Omer, Kol Shesh Lo Shne Gabim, Ushtei Shidraot. On continue à parler dans notre Mishnah des défauts qui invalident les Kohanim pour servir au Bet Amigdash. La Torah l'a précisé dans Parashat Emor, on a lu le Passouk hier, la Torah l'a précisé que le Kohen il doit être parfait. Il doit être totalement, tout doit être splendide au Bet Amigdash. Beau et parfait, et donc il est pas question d'avoir quelqu'un qui a des défauts physiques qui peuvent, qui ont enlevé le côté solennel et fabuleux du Beth Amigdash quelque part. Donc, deux défauts que la Torah nous a précisés qui sont Haker et Ach, le chauve, il n'est pas sous. Tout ça, c'est explicite dans Parashat Emor. Il y a plusieurs mots qui ont été dits, et du coup, selon la Torah l'a précisé, l'a qualifié plusieurs défauts, et la Mishnah va les prendre un après l'autre et expliquer différents avis, interprétations de ce mot, qu'est-ce que ça implique. Donc un d'eux, c'est le kereach. Un kereach, il n'est pas saoul. Celui qui est chauve, il n'est pas saoul. Mais attention, ouais, bon, prochain, je suppose que la moitié des gens, ils sont chauves, mais moi, ça commence. On ne parle pas de n'importe qui. On parle eze ou kereach, de quel chauve parle-t-on? Kol shen lo shita shel se'ar ma kefet me'ozen ozen. Tout celui qui n'a pas même une seule rangée de cheveux qui fait le tour d'une oreille à l'autre. Un vrai Kojak. D'accord? Tout blanc, bien, bien lisse. Et naturellement, bien évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui s'est rasé comme ça. Il n'a pas une seule... il a peut-être des petits cheveux qui traînent par-ci par-là, mais en tout cas, il n'a pas... Il ne rejoint pas les deux oreilles. Mais attention, Vimieshlo, Arizé Kajer. Mais s'il a même une seule rangée de cheveux qui rejoint une oreille à l'autre, c'est permis. Qui fait le tour et qui rejoint une oreille à l'autre. Le Barthénois nous précise qu'on parle qu'elle ne fait le tour par derrière, mais si elle fait le tour par devant, eh bien là, vous imaginez quelqu'un de entièrement chauve, mais qui a comme ça une rangée de cheveux, ça c'est à plus forte raison. Comme ça, il va le rapporter, c'est un peu, apparemment, une petite discussion, est-ce que c'est à plus forte raison ou pas. Mais en tout cas, c'est invalidé d'après tous les avis. D'accord? Voilà pour le chauve. Deuxième sujet maintenant, la Torah nous a dit « Ogiben, Odak, Otvalul, Beno », la Torah précise plusieurs, il y en a un qu'on va s'intéresser maintenant, c'est le Giben. Giben, alors, histoire de comprendre les trois avis qu'on va voir, Giben, ça fait allusion soit au Gvineyenav, soit à la Gibenet. Deux pirouchim. Gvine, qui vont faire trois. Giben, ça fait allusion au Gvineyenav, les sourcils s'appellent les Gvinim. Ou encore, un Giben, c'est un bossu. Même si on a parlé hier du Khatotot. Attention, le partenaire nous précise que, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on évoque, les différents avis qu'on évoque, tout le monde est d'accord que tout est invalidé. La seule question est de savoir qu'est-ce que la Torah a explicité quand on a dit ce mot. Et sur cette discussion. Donc, on a évoqué hier qu'il y avait la Khatotet. Et bien là, on continue avec ça, c'est le même principe. Il va y avoir quelqu'un qui va nous dire que c'est celui qui a un problème dans le dos. Il est bossu, on va expliquer pourquoi comment ça rentre dans le mot Giben. Pour le moment, on va avoir deux avis qui font référence aux sourcils, qui sont les Gvinim. Un qui va dire qu'il n'a pas de sourcils, l'autre qui va dire qu'il a trop de sourcils. Ouais. Et ça se passe comme ça. S'il n'a aucun sourcil, ou encore s'il en a que un et pas l'autre. Ouais, c'est-à-dire il en a un tout lisse et l'autre il est normal même. Eh bien, dans ces deux cas de figure, c'est ça le Giben que la Torah a explicité dans Parashat Emor. D'accord? C'est le Giben. Ça fait donc allusion au fait qu'il n'a pas les Gvinim, ça s'appelle Giben. L'autre, et Rabdosa Omer, Rabdosa, il nous dit non, c'est Kol Shigvinav Shochvin, tout celui littéralement qui a des sourcils qui se couchent, c'est-à-dire qui lui descendent trop sur les yeux. Alors là, c'est là où ça devient, ça a été invalidé. Là, Gemara précise encore qu'il y a encore un autre cas de figure, c'est celui qui rejoint le côté droit au côté gauche, tout d'entrée. Il a tout un grand passe comme ça de sourcils, il n'a pas comme quelqu'un normalement constitué qu'il a ici. Une interruption entre le sourcil droit et le sourcil gauche. C'est inclus selon, c'est plus selon Rabbi Dossa, c'est selon Tanakama. D'accord? Rabbi Hanan ben Antignos Omer, maintenant,
Rabbi Hanan ben Akilinos, lui, nous dit non, Giben, on ne parle pas des sourcils, on parle d'autre chose. Kol sheshlo shnei gabin ushtei shidraot. D'abord, littéralement, tout celui qui a deux dos, ou deux, et deux plutôt, je pense que c'est un vavachibour, qui a deux dos et deux colonnes vertébrales. Plus précisément, ça n'existe pas d'avoir deux dos et deux colonnes vertébrales. Elle consiste quelqu'un qui est sorti qui a deux colonnes vertébrales, c'est quelqu'un qui va mourir. Très prochainement, il n'est pas viable. Donc on parle en fait de quelqu'un qu'on a, qui a quelque chose qui ressemble à deux dos. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas tellement compris pourquoi, le bossu, eh ben, on le qualifie qu'il a deux dos. Peut-être parce qu'il y en a une qui part comme ça et une autre qui part comme ça, donc on a l'impression qu'il a, il a un dos comme ça et un dos comme ça, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, c'est de ça qu'on parle, c'est qu'il a une colonne vertébrale tellement déformée qu'on a l'impression qu'il en a deux. D'accord ? Et puis, ben on a précisé bien évidemment qu'il n'y avait pas de marloquette pour la halakha, il y avait juste une marloquette comment interpréter les mots. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, salam.